et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Bonsoir tout le monde. Fini les problèmes de gestion de classe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Merci. Soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a 18 personnes connectées. Est-ce que le délégué il est présent? Est-ce que le délégué est présent? Vous m'entendez pas? Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Dites-moi, on peut commencer ou pas? Bon. Professeur, tout dépend de vous. Hein. Bon, ou bien si on peut accorder encore quelques minutes. On va attendre 5 minutes. Pour retarder. Voilà. Voilà. À 19h10, on commence. D'accord, sans problème, professeur. Alors, mais pendant qu'on attend, on peut échanger. Hein. Qui sont ceux qui ont eu des difficultés à évoluer parmi les 18 personnes? Les 21 personnes connectées là, est-ce que vous avez eu des difficultés à évoluer dans le cours? Allô, professeur? Est-ce que vous avez eu des difficultés à évoluer dans le cours? Bon, professeur, pour ma part, pour le moment, il n'y a pas de problème, ça va. D'accord. Vous êtes 22 personnes, je suppose que il n'y a pas que vous seul. Est-ce que les autres ont eu des difficultés? Ceux qui ont mis les écouteurs là, vous pouvez écrire. Ceux qui ont mis les écouteurs, vous pouvez écrire. Oui, monsieur Koulibaly. Est-ce que vous avez eu des difficultés, monsieur Koulibaly? Madame Koulibaly, merci. Oui, c'est madame. Oui, madame. Oui, moi, j'ai eu la clé. Il y a venu la temps de l'introduction. Maintenant, il me suis dit qu'il pourrait évoluer, mais il n'arrive plus. Vous avez eu la clé, non? Oui, oui, il a reçu la clé. Allô? Alors, vous avez reçu la clé. Maintenant, votre problème se trouve à quel niveau précisément? Vous avez dit qu'on pouvait laisser la session 2. Maintenant, c'est pour entamer la session 3. Là. Je suis bloqué. Et puis, elle n'arrive pas à accéder à l'évaluation. Mais avec la clé, vous pouvez appeler. Quel est le problème particulier? Vous avez fait quoi? Et puis, qu'est-ce qui est bloqué? Il n'arrive pas à ouvrir la session 3. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la question 3? Je ne sais pas si on se comprend. Allô? La clé que vous avez eue là. Oui, oui. Est-ce que vous avez. C'est quel lien vous avez utilisé pour ouvrir? Il n'a même pas encore utilisé la clé aussi. Il n'a pas encore utilisé. Mais est-ce que vous avez eu la clé? Je ne vois pas. Oui, la clé, oui. Ouais, mais si vous avez eu la clé. Mais c'est pas à quel moment il faut utiliser la clé. Oui. Non, mais toutes les informations. Vous avez, c'est quelqu'un qui vous a donné la clé ou bien vous avez travaillé pour avoir? Je travaille pour avoir et puis on m'a donné un mot de passe là. Oui, mais dans et puis je suis bloqué. L'espace où vous avez eu le mot de passe là, on vous a donné un lien pour aller. Oui, 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 oui. Mais pourquoi vous dites que vous n'avez pas quoi faire? Il y a cliqué sur le lien, ça a tourné, il n'y a pas de couper. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Vous attendez qu'il y ait un coup d'abord avant d'essayer. Je vais vous poser mon problème. Voilà, vous m'avez encore.
Tu ne peux poser le problème. Massia, t'as chez toi, il y a beaucoup de bruit. Hein. Oui, attends, je vais essayer quelque chose. Je suis connecté à partir de 2. Ben, Massia, il y a beaucoup de bruit chez toi. Allô? Non, mais je n'ai pas posé de problème là-bas. Je n'ai pas posé de problème. J'attendais la séance d'aujourd'hui. Non, la séance d'aujourd'hui. Un coup en ligne, on pose des problèmes à n'importe quel moment. On n'attend pas une séance pour poser les problèmes. Pendant la séance, on peut poser okay. des problèmes, mais en dehors des séances, on pose des problèmes aussi pour évoluer. Sinon, pendant tout ce temps que vous attendez là, il y en a qui ont évolué, qui sont allés jusqu'à la fin du cours. Ok. T'as compris. Je vais m'y atteler. Merci. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a un problème? Je sors. Bonjour, bonsoir. Pourquoi ça va ça... ici? Allô? Je vous écoute parler, s'il vous plaît. Oui, oui. Ouais, c'est maintenant, j'ai réussi à me connecter. Il y avait un souci de connexion ici, là. Où j'étais là. Donc, je voulais savoir. Ouais. C'est maintenant, j'ai réussi à me connecter. Ça, c'est pas important comme information. Quelle est votre difficulté? Bon, moi, j'ai réussi à faire le test d'équation. Il est fini avec le test d'équation. Je voulais savoir à partir de là qu'est-ce qu'on doit faire. Je sais pas si vous avez des informations avant que je n'arrive. Non, mais est-ce que c'est pas écrit? Les informations ne sont pas écrites sur la plateforme? Qu'est-ce que vous lisez quand c'est fini? Qu'est-ce que vous lisez? Bon, quand c'est fini, ils m'ont donné une note et puis, comment on appelle ça? Ils m'ont dit, ils ne m'ont pas donné d'informations, hein, c'est bon, quand ils finissent. Quand vous êtes sur la page de vous, vous sur... rien, essayez d'aller sur la page de vous et lisez ce qu'il y a après vous dire ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Chaque fois qu'on retourne, D'accord, bonjour, professeur. Merci. Est-ce que les autres... J'attends la question. Hein. Allô, professeur. Bonsoir, professeur. C'est monsieur Konaté. Professeur, oui, moi j'ai une petite préoccupation. Allez-y. En fait, c'est concernant les équations que vous nous avez données. C'est ça. Quand on a fini les équations, on ne sait pas. En fait, si moi je vais utiliser les équations comme ça pendant mes devoirs, bien mes saisies, comment je dois procéder? Je ne sais pas comment il faut faire le lien pour pouvoir procéder. Je sais que j'ai le lien. Oui. Est-ce que vous avez fait l'exercice sur les équations? J'ai fini. Maintenant, je suis actuellement. Comment vous devrez faire? Si vous avez fini, ça veut dire que vous avez la réponse à votre question? Non, en fait, si je dois saisir les devoirs, parce que mon problème, c'est que j'ai le lien. Je peux utiliser le lien. Maintenant, où je dois venir coller le petit coin où on doit copier là. Je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas encore fini l'exercice. Parce que si vous avez fini l'exercice, vous ne devriez pas me poser cette question. Vous savez, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Mais quelqu'un a fait le travail pour vous. C'est moi-même, j'ai fait le travail. Mais maintenant, si vous avez fini de faire le travail, pourquoi vous me demandez comment on fait? Je n'ai pas dit comment on fait. En fait, je veux utiliser comment. Quand on va sur le lien, comment on appelle, on va copier le lien de code. Là. Maintenant, si on doit revenir, parce que moi, je ne sais pas comment il faut créer la partie où on doit revenir pour venir coller le lien où on est en écrit ici, là. Je ne sais pas où il faut avoir ça sur le Word. Parce que je pense que si je dois utiliser, parce que vous avez donné pour qu'on puisse utiliser. Bon, si je dois utiliser, comment je vais faire pour avoir ça sur le Word pour pouvoir faire mon travail? C'est ça, en fait, mon problème. Bon. Le problème, je vous ai donné ça pour travailler sur l'espace de rédaction de votre espace de cours. C'est pas sur Word. Dans votre espace de cours ici, là. Voilà. C'est un espace HTML. C'est un espace en ligne. Donc, c'est pour rédiger les équations en ligne. Dans Word, il y a éditeur d'équations que vous pouvez utiliser. Mais ici,
C'est pour les équations qu'on fait en ligne. C'est bon, est-ce que tu as compris maintenant? Oui, mais maintenant, si ces équations, si nous, on veut utiliser pour faire des années de repas, c'est tellement pratique, c'est tellement intéressant que les équations de Word qu'on fait sur les choses. Bon, pour nos cours. Là, c'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est un truc HTML. Uh-huh. Hein? Donc, c'est quand vous avez à travailler en ligne, c'est ce que vous pouvez utiliser. Mais si c'est sur Word, voilà, là, c'est autre chose. Mais puisque c'est un cours en ligne, il fallait que je vous donne ça parce que c'est un cours en ligne. Oui. Donc, il faut que je vous donne les outils de faire des équations en ligne. D'accord. Ça va? Il n'y a pas de problème. On se comprend maintenant mieux? Voilà, on se comprend. Voilà, j'ai compris maintenant. Je pensais qu'on allait utiliser pour faire nos cours avec, pour faire les devoirs, les exercices avec. Ok. Merci beaucoup, professeur. Vous en voilà. Allô, professeur, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Bon, ma préoccupation, c'est que j'ai fini le test d'équation. Oui. J'ai eu le code pour accéder au prochain cours, mais c'est le lien là que j'ai pas vu au fait. J'ai pas fait attention. D'accord. Il faut repartir sur l'exercice d'équation là. Hein? Oui. Vous cliquez dessus. Et oui. Il y a une partie où on a écrit relecture. Oui. Vous cliquez sur relecture. Et vous allez lire. Oui. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'attends les questions avant qu'on ne continue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini. Bonjour. Oui. Mmh. Bonsoir. C'est encore moi. C'est le Kouyao. J'ai fini le test tout à l'heure là. J'ai fini le texte. On m'a donné une note maintenant. Allô? Je vous écoute. Mais encore, on me dit que d'accès au module suivant. Oui. Et là, ce que je clique dessus, il m'envoie une page. On dit de continuer la dernière tentative. Il ne comprend pas ce qu'il veut dire. On t'envoie une autre page, on dit de continuer la dernière tentative, ça veut dire quoi? On met clé d'accès au module suivant, les alliages. Uh-huh. Résumé de vos tentatives. Allô? J'écoute, hein? Oui. Quand j'écoute, sur une page, on met clé d'accès au module suivant, les alliages. Uh-huh. Tentative autorisée, on met 1. Oui. Il n'y a pas la clé. Mais est-ce que vous avez fait la tentative? Vous avez fait l'exercice? J'ai fait l'exercice. J'ai eu ma note. J'ai dit que pour avoir la clé là, vous avez fait ce qu'on a demandé. Oui. Ils ont demandé quoi? On m'a donné une note. Je vais lire ce qu'ils ont mis là. Ils ont mis résumé de votre tentative précédente. Et puis ils ont mis votre note finale pour ce test R. Ils m'ont donné une note. Vous me suivez? Je vous suis, je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Maintenant, ils ont mis la note et puis en dessous, ils ont mis à droite clé d'accès au module suivant. Uh-huh. Mais lorsque je clique dessus, on m'envoie sur une page écrit clé d'accès au module suivant, les alliages. Uh-huh. Ensuite, on t'a dit. Oui, professeur. Voilà, après ils ont mis tentative autorisée, ils ont mis numéro 1. Et ensuite, ils ont mis résumé de vos tentatives précédentes. Ils ont mis état à gauche, relecture à droite. Ils n'ont pas la clé. Vous avez fini de faire l'exercice sur l'équation de poisson. Oui, j'ai fini. Retournez à la page du cours. Retournez à la page du cours. Et puis vous allez voir clé d'accès. À la page du cours. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. On va vous poser une question. On va vous poser une question, oui ou non. Vous répondez oui ou non. Quand vous avez pu les répondre, et vous allez voir la clé. C'est bon?
sommes à l'ère du numérique et du web, nous faisons une autre vision de l'éducation. C'est bon? Fini. Vous êtes toujours là? Oui, professeur, nous sommes là. J'attends, je prends les questions, hein, puisque vous ne posez pas les questions dans le forum. Le forum est là, mais vous ne posez pas les questions. C'est bon, on peut continuer alors. Oui, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. On peut commencer. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est Asuma. Effectivement, j'ai essayé de, j'ai essayé de créer dans le forum, mais le lien n'est pas. Le lien n'est pas. Bon, j'ai cliqué. Monsieur, formulez bien votre question. Ou bien écrivez sur papier puis vous allez lire. Parce que c'est pendant que vous avez la parole que vous réfléchissez, c'est pas là. Vous écrivez et là, la lecture. Vous écrivez votre question sur le papier sur vous là-bas. Quand vous prenez la parole, vous le dites. De façon fluide. Quelqu'un d'autre a une question parce que là, je ne sais pas si. Nous sommes en ligne. Donc, quand vous prenez la parole, parlez-le. C'est pas au moment où on vous donne la parole que vous allez réfléchir à votre question. Si vous êtes sûr de votre question, vous pouvez parler. Sinon, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Le temps que vous préparez votre question. Oui, professeur, s'il vous plaît. C'est Zamblebi. Monsieur Zamblebi, vous avez la parole, oui. Oui, bon, c'est le même problème, mais on me dit que le cours n'est pas actuellement disponible pour les étudiants. De quel cours? Le cours sur Aliaza. J'ai fini, j'ai eu la clé, j'ai eu des liens. Mais on me dit que le cours n'est pas actuellement disponible pour les étudiants. Il y a beaucoup qui ont déjà été disponibles. Peut-être que vous êtes trompé. Donc, bonsoir, bonsoir. À la suite du module. Comment je fais le temps de prendre celui-là, essayez de fermer vos micros. Quand quelqu'un a la parole, c'est lui seul qui doit avoir son micro ouvert, s'il vous plaît. Hein, ça va nous aider, nous tous, parce que si on entend sa question, on peut répondre et la réponse peut vous aider aussi. Monsieur, reprenez votre question. Ok, je disais que j'ai fait le test d'édition d'équation là. Oui. Et après, on m'a envoyé sur une autre page et là, on m'a donné une note. Et juste en bas, on m'a demandé de revenir au cours. Oui. Lorsque je reviens au cours, la suite où on a écrit très d'accès au module suivant, je vois que le n'est pas activé. On a écrit très d'accès au module suivant. Bon, vous êtes en PL ou bien vous êtes en PC? Parce que celui qui est en PC, celui qui est en PC, celui qui est IPS, il y a la clé pour les IPS, il y a la clé pour les PL. Tout est écrit, hein? Pour moi, c'est PL. C'est PL. Donc, est-ce que vous avez terminé votre exercice de comment on appelle? Non, il y a trois étapes. Vous terminez le test et après on dit tout envoyer et terminer, vous cliquez. Et après on vous dit vous êtes sûr de tout envoyer, vous cliquez encore.
Parce que très souvent, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout. Quand vous avez fait ça, la case sera touchée. D'accord. Voilà, il faut bien lire. Okay. Il y en a qui terminent et puis ils ne vont pas jusqu'au bout. D'accord. Merci pour ça. Merci. Question. Sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter, mettre debout et du web. Vous voyez ce que je veux dire? Une vision de l'éducation. Vous m'entendez? Oui, professeur. Module d'introduction et à forum des questions. Module les alliages et à forum des questions. Et puis, je tiens à vous dire que les forums, les contributions dans les forums, là, c'est noté, hein. C'est noté de 0 à 10. Celui qui a posé une bonne question, on lui donne une note sur 10. Celui qui a donné une bonne réponse aussi, on lui donne une note sur 10. Et chaque condisciple note. C'est la moyenne de toutes les notes que vous allez donner à votre camarade. C'est sa moyenne là qui réussira sa note. Donc, si vous ne voulez pas participer dans le forum de discussion, vous n'aurez pas de bonus aussi. Parce que ces notes sont considérées comme des bonus. Parce qu'on veut vous encourager à vous entraider. Vous comprenez? Vous comprenez? J'espère que vous m'entendez, hein? Nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion. Vous m'entendez? Là, ils m'entendent pas là. Là, ils m'entendent pas là. Fini la nécessité de regroupement. Vous m'entendez maintenant? Oui, vous êtes encore là. Voilà. Parce qu'apparemment, tout à l'heure, on ne m'entendait pas. Donc, je disais tout à l'heure, vos contributions. Allô, je ne vois pas mon micro. On vous entend. On vous entend, mais c'est entrecoupé par endroit. C'est entrecoupé. Par moment, c'est entrecoupé. C'est ça. Voilà. Là, je crois que cette fois-ci, ça va. Donc, je disais que je vous encourage à participer au forum des questions. Parce que dans le forum des questions, celui qui a posé une bonne question est noté sur 10. Celui qui a donné aussi une bonne réponse est noté sur 10. Et c'est pas moi qui note seulement. Vous pouvez noter vos amis. Si vous voyez que la question de tel condisciple vous arrange là, vous lui donnez une note. Si vous voyez que la réponse de tel condisciple vous arrange aussi là, vous lui donnez une note. Est-ce que vous avez compris? Tout ça, c'est pour vous encourager à participer au forum de questions. Parce que le e-learning, ça, son objectif en fait, c'est de monter des communautés d'apprentissage, de vous aider à apprendre ensemble, à créer une communauté où vous apprenez ensemble, vous vous entraidez pour l'apprentissage. C'est ça le but. Donc le forum des questions est, certaines fois on appelle ça forum de discussion. Mais si je dis forum de discussion, vous n'allez pas bien comprendre. Donc je dis forum de questions pour que vous puissiez bien comprendre que bon, c'est dans ce forum-là qu'on peut poser des questions et puis avoir ses réponses. Et ce n'est pas à moi seul de répondre. D'autres condisciples peuvent répondre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est bon? Oui, ça va, professeur. Oui, ça va, professeur. D'accord. Bon, je vous encourage
pour chaque module, il y a un badge. Ça veut dire que celui qui a fini le module introduction, il y a un badge niveau 1 qui peut télécharger. Je suis en train de voir mon infographe qui télécharge. C'est comme un petit jeton que vous téléchargez. C'est comme un petit grade, c'est comme une médaille que vous avez parce que vous avez validé l'étape. Donc, à l'étape 3, la dernière étape, parce que cette année, on ne va pas voir l'étape 3. Hein? Parce que vous n'évoluez pas de façon fluide et pour gagner en temps, on passe directement à l'étape 3. Mais j'ai mis des vidéos dans l'étape 3. Ce sont des vidéos qu'on devait voir à l'étape 2. Mais ces vidéos-là sont juste des rappels pour vous aider à faire des choses dans l'étape 3. Donc, vous allez télécharger vos badges. Quand vous avez fini, vous allez télécharger vos badges de l'étape 3. Vous recevrez des notifications en haut, à côté de votre nom. Il y a une cloche. Donc, vous aurez des notifications. Si vous cliquez sur la notification, on va vous dire que vous avez eu un badge et qu'il faut télécharger. Donc, c'est comme votre médaille. Et après, au niveau 3, quand vous allez finir le cours d'alliage, il y a aussi un badge. Donc, c'est le badge niveau 3. Vous allez avoir la notification que vous pouvez télécharger. Maintenant, après, quand vous allez passer à l'évaluation, vous allez faire votre devoir. Après le devoir, vous aurez votre certificat. Ça, c'est le certificat. Pour dire que vous avez achevé, vous avez bien suivi et achevé le cours. Donc voici les différentes étapes. Si vous avez des questions, vous les posez maintenant. Sinon, M. Zamblé, le lien que vous avez envoyé, c'est bien le lien. Le cours est accessible. Et c'est avec une clé. Et il suffit d'avoir la clé. Vous cliquez sur m'inscrire. Vous renseignez la clé. Vous cliquez sur m'inscrire. J'espère que M. Zamblé. Je vous écoute, professeur. Vous avez compris? Est-ce que j'ai Merci. Quand vous avez cliqué sur le lien, il y a un champ vide. Oui. Dans le champ, là, oui. Vous renseignez votre clé et puis vous cliquez sur le bouton m'inscrire. Ok. Allô? Merci, professeur. Voilà, vous devez respecter la case. Ce qui est majuscule, vous écrivez en majuscule. Ce qui est minuscule, vous écrivez en minuscule. S'il y a un espace, vous créez l'espace. Par exemple, la machine est un espace. J'ai fait copier-coller. Allô, professeur. Oui, si vous pouvez trouver. Allô, professeur. Oui, allô, je vous écoute. Je vous écoute. Au niveau du. C'est yo. Bon, coupez les micros. Chez ceux qui n'ont pas la parole, coupez les micros, s'il vous plaît. Il y a plusieurs micros ouverts alors qu'ils n'ont pas la parole. Je sais pas. Levez la main si vous voulez parler. Qui a levé la main? Monsieur Kouachi. Allô, Bozé. Oui. Allô, Bozé. C'est concernant le test d'édition d'équation. Moi, quand j'ai fini le test, oui. J'ai fini le test et c'est écrit votre note finale, ce test n'est pas encore évalué du 10. Mais c'est quand vous avez fini aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. À quelle heure? De 16h, 15h. D'accord, c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Après, d'accord. Voilà, c'est. Je corrige à la main. D'accord. D'accord. Ok, monsieur. Pendant qu'on est en train de parler, je vais corriger tout de suite. D'accord, monsieur. Merci. Et celui qui a levé la main, il peut parler. Il s'appelle M. Kouassi. Il peut parler. Je lui ai donné la parole. S'il n'a pas le temps, allô? Allô? Oui.
Je vous écoute. Plus de questions, Monsieur Dio. Okay. Merci pour ça. En fait, pour le module de l'introduction, j'ai essayé de rentrer dans l'évaluation, mais je n'ai pas eu accès. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Et puis, le téléchargement de l'application dont vous parlez. Vraiment, comme on n'a pas la main au niveau de l'informatique, j'aurais souhaité quand même que vous nous aidez dans ce sens. Sinon, pour l'évaluation, je n'arrive pas à avoir accès pour accéder à ce netto. Vous avez un téléphone Android ou bien iPhone? Bon, vous êtes seul à la maison? Android. Vous êtes seul à la maison? Oui. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de épouse, vous n'avez pas d'enfant qui va à l'école? Non, mon enfant a 4 ans. Oui, mais vous avez un voisin, vous avez. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses là. On sait plus pour apprendre. Vous avez un voisin, vous avez un enfant dans le quartier. Pour télécharger l'application, là, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance en chimie des matériaux. Et c'est pas d'accord. Ce que je veux comprendre. Peut-être vous aider. Oui, d'accord. Bon, merci. Je vous en prie. Question suivante. Monsieur Touré Abdoulaye, vous avez levé la main, posez votre question. Après M. Touré Abdoulaye, les deux autres qui ont levé la main vont suivre. M. Touré, quand vous finissez de parler, baissez la main. Ok. Ok. Bon, professeur, lorsque je mets la clé, ça, il me remet et ça retourne, je retourne à nouveau là-dessus. On dit ma clé ne passe pas. Non, monsieur, il faut bien vérifier votre clé. La majuscule doit être la majuscule. Le minuscule doit être minuscule. Il y a un espace créé. Allô, professeur. Oui. Allô, professeur. Allô. Est-ce qu'il y a la possibilité? Oui, en fait, c'est pour vous aider dans la réponse. D'accord. Moi-même, j'avais le même problème, mais je ne mettais pas l'espace avant de mettre le point d'exclamation. Voilà, et quand j'ai mis l'espace avant de mettre le point d'exclamation, c'est passé maintenant. Oui, l'espace est un caractère. Donc, il essaie de mettre l'espace. Voilà, donc. Après, il faut mettre l'espace avant de mettre le point d'exclamation. L'espace est un caractère, donc ça compte. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer. Voilà, il faut mettre l'espace avant de mettre. Faut pas essayer, c'est comme ça. En termes de mots de passe, là, tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il faut écrire. Ne dites pas que non, il y a un espace, donc moi, je ne mets pas espace, non. Voilà, il faut respecter. Question? Allô, professeur. Oui, je vous écoute. Bon, professeur, la dernière fois, vous avez dit que concernant l'évaluation finale, il y a l'application exam qu'on devait télécharger et que cela doit se faire forcément sur un ordinateur. Alors que moi, j'ai toujours travaillé avec des tablettes. Donc, je fais comment? Je me prends forcément un ordinateur. C'est un examen. Donc, le jour de l'examen, il faut vous mettre dans des conditions qu'on a demandées. Si on vous dit le jour de l'examen, venez avec votre collante, votre carte d'identité, ne dites pas « Ah, mais moi, je suis toujours venu à l'école sans carte d'identité. Pourquoi vous me demandez de venir avec carte d'identité ?» Le jour de l'examen, vous empruntez un ordinateur à madame ou bien à quelqu'un. Ok. Ou bien un jour avant. J'ai compris. Voilà. Mm-hmm. Il est mieux de, okay. Il est mieux de le faire un jour avant parce qu'en fait si vous le faites le jour J et que vous avez des soucis, c'est pas bon. Hein? Non, je vais le faire beaucoup plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, monsieur Moriba.
Il faut savoir que parce que papa a pas de coup en tant que tel à la surface avant l'examen là. Donc si le coup est ailleurs, comment j'ai pas compris. Si la partie alliage, il n'y a pas de coup en tant que tel qui est écrit pour l'instant. Donc il fait comme ça à l'aveugle. Non, écoutez. Non, c'est pas si un simple coup ou s'il y a une partie où le coup est exposé. Voilà. En fait, je voulais partager mon écran, mais la connexion est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager mon écran. Et donc, je vais, si vous avez la page sur les alliages ouverts chez vous, je vais commencer et puis vous allez suivre. Hein? La page alliage, d'accord? Voilà. Quand vous allez entrer sur la page alliage, il y a les mêmes activités. Oui. La veille, choisir votre groupe de CD. Vous choisissez votre groupe de CD, c'est bon? Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, après, il y a la section 1, structure cristalline et solution solide. Oui. D'accord? Oui. Bon, il y a la fiche signalétique. Mais écoutez. S'il vous plaît. C'est à moi de vous parler. Je suis sur Moodle. Est-ce que vous êtes dans l'espace du cours? Je suis sur Moodle, oui. Je n'ai pas dit où vous voulez aller où. C'est là que j'ai mon cours. Parce que D'accord, ok. On y va. D'accord. Où est-ce que j'ai dit là, vous ne voyez pas? Bon, si c'est la page, si c'est le tableau de bord, il y a l'âge 2021 que je vois, que j'ai ouvert. Allez, section 2. C'est ce que je suis en train de décrire. Donc, si vous êtes là, c'est que vous devez voir. Je ne sais pas pourquoi vous me dites que je suis sur Moodle, ça veut dire quoi. Suivez avec moi. D'accord, ok, on y va, monsieur. D'accord. Ou bien aussi, d'accord. En fait, votre interjection et interpellation, c'est comme si vous ne voyez pas ce que j'ai dit. Oui. Bon, faut dire que moi, ce que je vois présentement là. C'est section 2 du composé défini à l'alliage. Donc, revenons en arrière. Est-ce que vous ne voyez pas section 1, structure cristalline et solution solide? Vous ne voyez pas ça? Non. Là, vous n'avez pas encore choisi. Classe virtuelle. Vous n'avez pas encore choisi. Est-ce que vous avez choisi un groupe de TD au niveau de l'alliage? Oui, c'est fait déjà. Donc, vous devriez voir section 1, structure cristalline et solution solide. Voilà, il y a fiche signalétique, test de positionnement 1, activité d'apprentissage, bref, résumé du cours, évaluation 1. Monsieur, est-ce que vous voyez section 1, structure cristalline et solution solide? Oui ou non? Oui, je vois maintenant. Voilà, les questions que je vous pose, vous répondez. Il ne s'agit pas de faire une dictée, d'accord. En dehors des questions que je vous pose. D'accord, à nous voir. Section 1, structure cristalline et solution solide. Vous voyez la fiche signalétique. D'accord, oui. Oui. La fiche signalétique vous donne comment est organisée cette section particulière. Après, il y a test de positionnement 1. Oui. Est-ce que vous avez exécuté ce test? Oui, c'est déjà fait. Maintenant, quelle était votre question? Posez-la moi. Non, c'est bon, c'est réglé. C'est ce qu'il faut de voir. Comment? C'est bon, à l'aise en tant qu'enseignant, vous êtes à l'aise. Mais si vous n'exercez pas à appliquer vos positions, vos élèves vont mal piger ce que vous dites et ça va se ressentir sur leur rendement scolaire. Si vous voyez que les élèves là, ils sont bien dans une discipline en fonction de l'affection, de l'attachement qu'ils ont à un professeur, mais s'ils ont du mal à percuter ce que l'enseignant dit, ça va les énerver même à les écouter. D'accord. Donc, il y a des écoles pour apprendre l'art oratoire.
quel que soit votre handicap. D'accord. Quel que soit votre handicap, vous pouvez vous exercer. Il y a des structures qui forment ici, mais c'est payant. Il y a des structures qui forment. D'accord. Moi, je vous dis, c'est votre carrière. Vous êtes enseignant. Vous allez vous engager pour peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans d'exercice professionnel. Et la frustration viendra du fait que, oh, il est venu encore le professeur, on ne comprend même pas quand il parle là. Et les gens vont trouver des excuses. Monsieur, je vais aux toilettes. Monsieur, voici billet d'absence. Monsieur, ouais. Et ça va vous frustrer. Donc, même si ça coûte 50 000 francs, même si ça coûte 100 000 francs, inscrivez-vous aux écoles d'art oratoire. Vous allez voir, prof, là, il parle bien, même quelqu'un qui était venu l'avant en année antérieure, quand il vient, parce qu'il aime vous voir parler, il va aimer votre cours et peut-être son niveau en physique va augmenter. Ça, c'est un conseil. C'est d'accord. Pas un matériau, c'est un conseil. Oui, d'accord, merci, monsieur, pour le conseil. Donc, merci bien. On passe à une autre question. Monsieur Moriba, vous avez une question parce que je vois votre main levée. Non, c'est pas moi, c'est moi, frère, c'est moi. C'est le qui. Voilà. Donc, je pense que sur le module 1 introduction, on a fini. Hein. Ce que je vais dire maintenant, c'est sur le module des alliages. Et du web présente une autre vision de l'éducation. Monsieur Akpa. Monsieur Akpa, je vous écoute. Oui, professeur. Professeur, s'il vous plaît, moi, je voulais savoir si c'est possible qu'avant l'évaluation finale, on puisse télécharger les corrections des évaluations intermédiaires. Au niveau de l'évaluation finale, non? Oui, professeur. Vous aurez voulu télécharger les corrections, c'est ça? Oui, professeur, si c'est possible. Alors, la seule chose que je peux vous faire. Allô? Oui, allô, professeur. La seule chose que c'est de rendre disponible. Vous n'êtes pas obligé de télécharger, mais chaque fois vous pouvez aller consulter. Ok. Vous avez qu'à cliquer dessus et pour cliquer sur le bouton relecture, quand vous avez relecture, vous voyez ce que vous avez fait et puis la correction. Ok, professeur. Merci, professeur. Voilà. Mais professeur. Oui. Allô? Moi, je parviens à télécharger. Les évaluations? Oui, après les corrections, je parviens. Après les corrections, vous arrivez à télécharger. Oui, j'ai une petite méthode pour télécharger. Voilà, mais c'est bien. C'est ce que je vous ai dit là. Nous sommes en communauté d'apprentissage. Donc, par exemple, la question de Monsieur Akpa. Vous aurez pu utiliser le forum de discussion des alliages. Mais pour le moment, vous pouvez utiliser le forum de discussion des introductions. Parce qu'à l'introduction, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes inscrites. Donc, vous pouvez utiliser le forum de discussion des introductions. Oui. Des questions d'ordre général. Hein. Quand c'est une question qui touche les alliages, là, oui. Vous mettez ça dans le forum de discussion des alliages. Mais pour les questions d'ordre général, c'est le forum de discussion des modules d'introduction. Donc, monsieur Akpa pose ta question. Et puis, le monsieur qui vient de réagir, il n'a pas dit son nom. Vous apportez votre réponse. Oui. Voilà. Et là, vos réponses que vous donnez en visioconférence, là, ce n'est pas noté. Alors que si c'était dans le forum, là c'est noté. Donc vous perdez des points là. Vous voyez? Ouais, je vois. Voilà. Donc, je vois. Comme ça, vous avez une belle idée comme ça. Vous donnez ça dans le forum de questions. Et là c'est une belle idée. Et tous les amis, bon, j'espère qu'il n'y a pas de sorcier parmi vous. Donc tous vos condisciples qui aiment. Parce que chacun doit vous noter. Si quelqu'un a aimé votre question, bien sûr. Maintenant, quand il parle de sorcier, quelqu'un va aimer et puis il va pas, il dit bon, comme oui, non. Aussi, moi, oui. Je vais pas lui donner des notes. Oui. Voilà, non, ne soyez pas comme ça. Si ce qu'il a dit, bon, c'est comme sur Facebook, c'est comme les likes. Hein? Quand vous aimez, vous likez. Oui. Là, ici, c'est pas des likes, c'est des notes. Ça va de 0 à 10.
Donc, si j'ai aimé la réaction de l'autre, je lui donne 10, je lui donne 8, je lui donne 7, je lui donne la note que je veux. Si j'ai pas aimé, je lui donne 2. Voilà. Vous voyez? Donc, je vous conseille d'aller poster vos notes là, votre méthode là dans. Il faut décrire ça dans le forum des discussions, des questions. Hein? Au moins, ça va mériter des notes. Oui, si vous le dites oralement ici, okay. Ça ne sera pas noté. Mm-hmm. Allô, docteur. Ok, j'ai compris. Allô, docteur. Ok, bonsoir docteur. Au fait, je veux savoir, les tests à une seule tentative là, bon, quand c'est faux, vous mettez faux, quand c'est juste, vous mettez juste, mais quand c'est faux, on n'arrive pas à avoir accès à la correction. Est-ce que les tests à une tentative, même quand on a fait faux, est-ce que dans le courrier, vous pensez faux, la réponse exemple de test, s'il vous plaît. Avant l'évaluation 1, il y a des petits tests qu'on fait avant d'atteindre, on a fait les petits tests qui était à une seule tentative. Après, vous avez fait un résumé du coup et vous avez fait l'évaluation. L'évaluation, là, c'est à deux tentatives. Mais les petits tests qu'on fait avant l'évaluation, là, c'est une seule tentative. Les tests de positionnement, là. Bon, à une seule tentative. Voilà. Attends, parce que ouais. chaque chose a un nom. Hein. Il faut dire les noms. Parce que si tu ne dis pas les noms, il y a tellement de tests. Oui, oui, voilà. Après, bon, je ne suis pas sûr. C'est pas comme j'ai fait, je suis actuellement en train de suivre la vision. L'évaluation numéro 1, on a vu le résumé du coup. Je suis sur un ordinateur. Oui, mais il y a des onglets. Vous pouvez ouvrir un onglet pour que sur l'autre onglet, vous regardez, vous parlez. Okay. Moi, actuellement, il y a au moins donc, je vais retourner pour 6 onglets qui sont ouverts ici. Ok, donc je vais essayer. Si j'ai pu, je vais vous reprendre. Voilà. Merci bien, docteur. Allez, bien les choses, la famille. Oui, allô, j'écoute. Allô, bon. Monsieur. Oui. Bon. Gabi. Ah, d'accord. Ah, c'est monsieur Gabi. Oui, c'est monsieur Gabi. Gabi, parlez, vous n'avez pas. En fait, je voulais. Ah, d'accord. En fait, je voulais dire que tous les tests, que ce soit de positionnement ou d'évaluation, ont toujours la correction. Il y a toujours une correction. Même quand vous avez faux, on vous montre vous avez faux. Donc, les corrections sont toujours positionné et présente sur la plateforme. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive à avoir accès à tout. Non, en fait, je sais, c'est moi qui ai mis les connexions. Mais s'il pose un problème, je me dis qu'il a voilà. un problème particulier qui peut nous échapper. Donc là, je veux qu'il... et lorsqu'il va se rendre compte que c'est le cas, comme vous dites, bon, il va retirer sa question. Mm-hmm. Vous voyez. Mais quand quelqu'un pose une question, il faut le laisser aller okay. jusqu'au bout. Parce que okay. voilà, pas de on problème. Est censé tout savoir, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qu'il veut toucher du doigt, donc il faut le laisser aller jusqu'au bout. Sinon, en principe, ce que vous dites, effectivement, toutes les questions ont une correction. Mais bon, peut-être qu'il a une autre particularité qui nous échappe, qu'il veut souligner. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il fallait le laisser aller jusqu'au bout. Mais comme il dit, il va nous revenir, on l'attend. Voilà, merci. Monsieur Koulibaly. Ok. Monsieur Oufou avait levé la main. Oui, docteur. Oui, monsieur Koulibaly, vous avez la parole. Non, j'étais en train de chercher le temps que je retrouve. Ah, d'accord, votre main est toujours levée. D'accord. Monsieur Oufou qui avait levé la main, il est où? Oui, pasteur. Oui, je suis en plein cours en ligne. Je suis en ligne avec mon étudiant. Donc, je t'apprends à faire la pause. Merci. Alors, non, monsieur. Bon, il n'y a pas de questions là. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous expliquer un peu la partie sur les alliages. Et puis, question. Thank you.
Oui, allô, docteur. Oui. Voilà, je suis sur le test de positionnement 1. Oui. Voilà, c'est écrit, la figure suivante présente les deux premières couches de sphères empilées de façon compacte en vue de la construction d'une structure compacte tridimensionnelle. Voilà, je vois notamment les sphères blanches constituent la première couche, tandis que les sphères bleues, la deuxième couche. Voilà, on les fait glisser, déposer. Test de positionnement 1. Voilà, je vois à la fin, votre réponse est incorrecte, mais la réponse juste n'apparaît pas. D'accord. Voilà. Je comprends. C'est pour ça que je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Votre réponse... Merci infiniment. En fait, il y a cette déduction, hein. Vous êtes scientifique, hein. Ah, c'est voilà. Oui, docteur. Oui, docteur. C'est derrière vous de cette heure, hein. Non, c'est pas chez moi. D'accord, donc aux autres, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, il y a deux choses. Hein? Oui, docteur. Dit, c'est Pierre, oui, docteur. Dites-moi si c'est Pierre ou c'est Paul. Ok. Dit, c'est Pierre. Et puis on dit c'est Paul. Ok. C'est ce que j'ai dit. Ok. Donc, c'est voilà, bon, docteur. Donc, c'est bon, ça va. De, voilà, c'est... Donc... Si ça avait été à tentative multiple, vous auriez tenté l'autre côté et puis vous auriez trouvé. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, si on dit que c'est faux... Il en est de même aussi du test d'activité, où il y avait les phases liquides, les différentes phases là. Voilà. Bon, là, vraiment, je n'ai pas pu... On m'a dit que j'ai trouvé quelques résultats, mais je n'ai pas trouvé d'autres résultats. Et c'est répondu à moitié. Bon, si j'avais pu avoir les réponses aussi. On donne la réponse, non? Quand c'est faux, on donne la réponse. Bon, non, si ils ont dit, bon, c'était les différentes phases là où on devrait. On évolue question par question là, non? Voilà. C'est une seule tentative. Bon, je. Non, attends, je ne comprends plus ce que vous dites. Une seule tentative. Le test d'activité d'apprentissage où il y avait les différentes phases. Mmh. On devait placer sur. Où il y avait MG. SN là, MG2SN. C'est quoi section, il y avait les différentes phases. Section 1, section 2, chaque chose a son code. Là, c'était la question 18. Question 18. Non, écoutez. C'est sur l'introduction, bien sûr, l'alliage. Voilà, introduction. C'est l'introduction. Avant. Monsieur, il parle de l'introduction. Je suis dans l'introduction maintenant, avant l'alliage. Hein? Avant l'alliage. Vous êtes sur l'introduction, non? Voilà. Et c'est parce que chaque chose est codée. Donc, il y a son nom. Si vous ne dites pas le nom, il y a tellement d'évaluations, il y a tellement d'épreuves. Alors, il y a où il y avait les 18 questions. Attends, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on note les. C'est pas ça, on appelle le code. Est-ce que vous appelez comment? Vous appelez comment? Koulibaly Yangouba. Koulibaly Yangouba. On vous appelle Koulibaly. Koulibaly Yangouba. Oui, docteur. Est-ce que pour parler de vous, est-ce qu'on c'est dit ça. Le monsieur qui a 5 doigts et puis la paume est rouge d'un côté et puis le monsieur, la paume est noire et puis il a les ongles rouges. Est-ce que comme ça on vous appelle? Non, docteur. Là, vous êtes en train d'écrire. On dit le nom. Il y a diagnostic des connaissances. Et puis, il y a la section des évaluations. Et dans la section des évaluations, il y a l'exercice d'évaluation, il y a le test de positionnement, il y a chaque chose à son nom. Où en sommes-nous? C'est un diagnostic de connaissance, c'est ça? Je suis dans la... C'est ça, diagnostic de connaissance, où on avait 18 questions. Là, madame, on vous appelle Goulibaly, c'est comme ça, lui aussi, on appelle diagnostic de connaissance. Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est dans ça... Il faut juste appeler ça les prérequis. Les différentes phases, les diagrammes de phase. Là. Alors, diagramme de phase. Ah oui, il fallait voilà. Nommer les différents domaines là, c'est ça? C'est ça, docteur. Déjà. C'était un test de glisser, déposer. Ouais, glisser, déposer. Voilà. Je dirais son problème, il n'a pas eu de correction là-bas. Voilà, il n'a pas eu de correction. Après, quand tu fais le test, c'était un test de prérequis que le professeur avait dit de faire pour voir nos connaissances. Et lui, il cherchait la correction, en quelque sorte. Sinon, nous-mêmes, on n'a pas eu la correction. Oh, je vois. Cette partie-là,
D'accord, si vous voulez la correction, voilà. je vais changer la correction si vous voulez, parce qu'en fait, merci infiniment, docteur, parce que moi, je copie au fur et à mesure pour pouvoir faire faciliter la révision avant l'évaluation finale. À chaque fois que j'ai fini un test, je note pour pouvoir vraiment évoluer dans la compréhension. C'est bien ce que ici, par exemple, ça, c'est pertinent parce qu'en fait, il y a plusieurs domaines. C'est pas soit A soit B. Donc là, voilà. Ça m'a juste échappé de mettre le diagramme direct à la fin. Hein? Merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci. Si je ne l'ai pas fait, vous me rappelez. Merci. Pas compris, docteur. Merci okay. Infiniment. Merci bien, docteur. Bien. Donc, si vous avez. Ça fait. Une heure qu'on est connecté. Si vous avez plus d'autres questions, je vais décrire un peu la dernière partie, les alliages, pour vous aider à évoluer. Et après, on va avoir une dernière séance encore dans la semaine pour vous parler de l'examen, enfin du devoir. Mais ça veut pas dire que. En dehors de la séance synchrone, ça ne veut pas dire que dans le forum, là. Moi, chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je consulte les questions dans le forum pour répondre. Donc, dans le forum, des questions, posez vos questions, je vais répondre. En dehors de cette séance. Il y a quelqu'un qui a commencé les alliages. Je ne sais pas s'il s'appelle M. Guillet. Je ne sais pas si c'est en IPS ou en PL, puisque c'est les deux filières en même temps que les forums. Et donc, il me pose des questions. Mais... vous qui êtes en EPL, là, n'allez pas dire je vais arrêter l'enregistrement pour dire. Donc, alors, je ne sais pas. Je vais essayer de partager mon écran encore pour voir si ça marche. Mais si ça ne marche pas, je vais parler et puis vous allez... Maintenant, je veux savoir si vous voyez mon écran. On voit votre écran. Oui, c'est visible. D'accord. C'est visible. L'écran est visible. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous avons la première section. Vous devez choisir votre groupe. Cliquez sur... ne le faites pas maintenant. Je décris simplement. Vous choisissez votre groupe là. Même chose comme l'autre côté. Parce qu'en fait, les notes seront réparties par groupe. Parce que les IPS et vous êtes à part. Voilà. Maintenant, la seconde. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'aurez pas accès à cette section. Tant que vous n'avez pas choisi votre groupe, vous n'aurez pas ça. Voilà. Donc, la condition sine qua non pour voir ça, c'est de choisir votre groupe. Et ici, il y a un test de positionnement qu'il faut faire. Le test de positionnement, c'est juste les prérequis. Donc, il ne s'agit pas de dire que vous allez réviser d'abord avant de répondre. Non, répondez simplement comme ça. Je veux voir votre niveau vierge, votre niveau de virginité par rapport à ce qu'on vous demande dans le cours. Donc, répondez. Même si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas, bon, vous ne connaissez pas. Passez. C'est après le positionnement, vous allez maintenant passer aux activités d'apprentissage. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai pu obtenir au positionnement avec ceux qui ont déjà répondu. Voilà, je vois qu'il y a 20 personnes qui ont tenté. Je vais voir les 20 tentatives. Oh, c'est bon.
côté. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web. Nous présentons. Voilà, vous voyez, c'est qu'on s'en fait. C'est pas du conditionnement. Les notes sont déjà là. Donc, ne soyez pas. Les notes de thèse de positionnement ne seront pas dans l'évaluation. Parce que c'est un test à blanc. C'est comme quand vous voyez, vous venez en classe, vous posez les questions de prérequis. Les questions de prérequis ne sont pas prises en compte, n'est-ce pas, dans l'évaluation, n'est-ce pas? Et ça me permet de savoir. Vous voyez mon écran? Oui, docteur. Voilà. Ça me permet de savoir à peu près. La moyenne, c'est ici. La moyenne, c'est 5 sur 10. Donc, je peux voir que la majorité a plus de 10. La majorité, c'est à droite de la moyenne. Donc, je peux dire que mes étudiants, ils ont quand même un bon fond au niveau de qu'on va voir. Ça, c'est à ça qui sert les questions de prérequis, le test de positionnement. Donc, je reviens maintenant à mon cours. Mais ces histogrammes, vous ne les voyez pas, ça me permet de savoir vos niveaux à peu près. Après le test de positionnement, quand vous avez fini le test de positionnement, l'activité d'apprentissage est visible maintenant. Ça, c'est l'activité d'apprentissage. Donc, nous allons faire une activité d'apprentissage ensemble. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Quand cette page s'ouvre à vous, cliquez sur « Non ». Cliquez sur « Non ». Et vous lisez, nous nous emploierons ici à élaborer la notion de multiplicité en vue de la formation d'une solution solide, c'est-à-dire un alliage. Oui, allô, pasteur, je suis en cours avec mes étudiants en ligne, je t'appelle après. Alors, donc, vous cliquez sur « Commençons pour commencer ». On va faire cette activité d'apprentissage en ligne ensemble. Mais sur mon écran, hein, n'allez pas vous connecter. Regardez seulement. Donc, on dit, on se propose de mélanger l'huile et l'eau. Qu'obtient-on au résultat final? Un mélange homogène, un mélange hétérogène. Qui va m'aider? Hétérogène. Hétérogène. D'accord. Donc vous on obtient un mélange hétérogène. Et vous envoyez votre réponse. Bonjour, monsieur, déjà sur la page. Hein. Oui, mais vous pouvez faire comme nous. Mais ceux qui sont, mais je préfère que vous suivez avec mon écran. Vu que c'est moi qui suis au tableau. Voilà. Donc, on se propose de mélanger l'huile et l'eau. Voilà, là, on vous donne le feedback là. On dit votre réponse est un mélange hétérogène. Ça, c'est votre réponse. Et le feedback ici, on dit votre réponse est bonne réponse. Vous voyez, non? Donc, on vous dit c'est bonne réponse. Continuez. On vous dit continuez, vous cliquez sur continuer. Alors, à continuer, on vous dit je reprends ou je continue. Supposons que quelqu'un ait donné la mauvaise réponse. Donc, lui, il va cliquer sur je reprends. Mais celui à qui on a dit ces bonnes réponses là, est-ce qu'il a besoin de reprendre? Non, non, il a compris. Donc, maintenant, ouais. Il y a quelqu'un qui peut avoir choisi. Mon gars qui coule mes dalles là, c'est lui. Quand tu parles, t'es évident. Je ne voulais pas poser des questions. Chers collègues, vous n'avez pas la parole. Fermez votre micro. Mais, il y a un côté des questions. Yankouba, ferme ton micro. Moi, je ne suis pas en train de parler, je coupe le professeur. C'est autour de Yao Boris Loukou. Quand je suis sur cette partie,
supposons que j'ai répondu, j'ai donné une mauvaise réponse, mais je n'ai pas envie de le prendre. Donc, j'ai le choix. Je continue. Donc, celui qui veut, il continue, il clique sur « Je continue ». Voilà. On dit le comportement de l'eau avec l'huile que nous venons d'étudier est dû au fait. Voilà, c'est au fait. Il y a une faute ici, j'ai mis au fait que la molécule d'eau est polarisée. Polarisée. Voilà. Vous mettez polarisée ou bien polaire, peu importe. Vous envoyez. Voilà. Donc, que vous mettez polarisé ou polaire, il va vous dire bonne réponse. Et donc, l'eau ne peut, et il va décrire un peu. Il va décrire un peu. Non, l'eau ne peut par conséquent. Bon, on vous donne une petite théorie ici pour expliquer un peu. Voilà. Donc, c'est maman. Maman, pile photo. Maman, pile photo. Béné, pardon, ferme ton micro. Hein. Oui, c'est ça. Mais, comment ils font les deux? Béné, ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, vous cliquez sur continuer. Je suis hors de question même là. Vous parlez. Et à chaque étape, quand vous posez une question, il y a toujours je reprends ou je continue. Pour ceux qui ont envie de reprendre, je reprends. Pour ceux qui ont envie de continuer, je continue. En fait, c'est comme si vous étiez en train de faire le cours pour vous-même ici. C'est ça le principe d'auto-formation. Donc, on donne différents matériaux. Et on dit. L'or et le cuivre cristallisent tous deux dans le système CFC. Tout comme les molécules d'air, ils peuvent connaître une miscibilité. Sélectionnez ci-dessous le mode de distribution des atomes de cuivre et d'or dans le réseau du métal devant constituer la matrice, c'est-à-dire le solvant. Donc, le mode de distribution, substitution, transmutation, insertion. Substitution et insertion. Substitution et insertion. Insertion. Je continue. J'envoie ma réponse. Voilà, substitution, bonne réponse, insertion, bonne réponse. Donc, je continue. Je continue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Est-il possible d'obtenir une solution solide avec un solité et un solvant métallique ayant des rayons atomiques de taille très grandement différente, oui ou non? Non. Votre réponse? Non. Est-il possible d'obtenir une solution? On dit, est-il possible d'obtenir une solution avec des particules de taille très différente, des rayons très différents? Non. 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 Vous allez voir ça dans le... Un procès. Donc, la réponse est non. Mais c'est comme... Des particules de rayon très proches. Cette étape, c'est comme si vous faites le cours vous-même. Et c'est après ça, maintenant, vous avez le résumé du cours. Donc, en fait, j'ai préparé le cours comme vous le faites en classe. Test de positionnement, c'est les prérequis pour commencer le cours. Activité d'apprentissage. C'est ce que vous donnez pendant 1h30 aux élèves. Au tableau, vous écrivez, au tableau, vous effacez. Maintenant, résumé de cours, c'est la trace écrite qu'ils doivent réviser maintenant. Je continue. Voilà. Et ainsi,
vous avez fini. Vous pouvez consulter votre note. Là, vous avez fini. Donc, je retourne maintenant. Vous cliquez sur retour à les alliages. Vous cliquez sur le bouton retour. Il faut cliquer dessus pour que l'activité soit cochée comme activité. Achevée, pardon. Comme achevée. Voilà. Et donc, quand vous avez fini ça, la case en face ici se coche en vert chevelu. Vous m'entendez? Oui, attends, professeur. Voilà. Oui, docteur, oui. Et quand vous avez fini ça, oui, vous avez accès maintenant au résumé du cours. Mais tant que, oui, professeur. Tant que vous n'achevez pas une activité, l'activité qui suit, vous n'avez pas accès. C'est pour vous obliger à aller étape par étape. Donc vous cliquez maintenant sur bref résumé du cours. Et là, vous avez j'attends que ça se stabilise dans certaines zones. La prochaine séance, on va procéder par chat. Il faut qu'on arrive à utiliser tous les outils. Donc on va faire le coup par chat la prochaine fois. Aujourd'hui, nous sommes au de la visioconférence. Et là, vous avez affiché ici. Vous avez affiché ici, n'est-ce pas, le résumé du cours. Et là, c'est un cours, vous lisez tranquillement. Vous lisez tranquillement, c'est 7 pages seulement. Vous lisez tranquillement, tranquillement, avec une prise de notes, tout ça. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez fini de lire le cours. Voilà. Vous avez fini de lire le cours. Vous revenez. Oui, allô? On peut le télécharger, non, le cours? Le résumé du cours, là. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger. Et avec l'application Moodle Mobile, vous n'avez pas besoin de télécharger pour stocker dans un lieu qui va vous perdre. Avec l'application Moodle Mobile, quand vous téléchargez, vous allez chaque fois vous cliquer dessus, ça s'ouvre. Même si hors connexion, vous pouvez lire. Donc, c'est ça l'intérêt de l'application. Parce que si vous n'utilisez pas l'application que vous téléchargez, chaque fois, il faut aller fouiller où est-ce que vous avez téléchargé. Si vous avez plusieurs fichiers téléchargés, hein, les fichiers vont se mélanger. Alors que si vous avez l'application, vous allez dans le cours, vous cliquez sur cette partie-là. Même si vous n'êtes pas connecté à Internet, si vous cliquez sur cette partie, ça s'ouvre. Donc, pour télécharger, c'est sur ce bouton-là, cette flèche qui descend là, que vous pouvez cliquer. Si vous voulez imprimer, vous cliquez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer. Mais comme je le dis, je le répète, il est mieux d'utiliser l'application Moodle Mobile. Comme ça, vous l'avez logé dans le cours et hors connexion, vous pouvez lire. Maintenant, après bref résumé du cours, voici le forum. Le forum des questions, vous cliquez dessus. Si vous avez des questions, pendant la lecture du cours, si vous avez des questions, cliquez sur le forum des questions. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont déjà posé des questions. Difficulté d'accès. Il y a plein de gens qui ont posé des questions. Hein. Maintenant, il y a par exemple les premières questions qui. Par exemple, je vais répondre à qui. Bon, je vais vous montrer d'abord ceux à qui j'ai répondu. Voilà, diagramme. Quelqu'un qui est un peu en avance sur vous a déjà lu le cours et il a posé une question. Il dit bonjour docteur, encore grand merci d'avoir initié cette manière de former que vous aviez appelé auto-formation, ainsi de suite. Et il pose des questions sur, vous aurez le temps de lire tout ça,
Hein? J'ai trouvé sa question pertinente. Voici où je dois le noter. J'ai cliqué ici. Et ça va de 0 à 10. Il lui a donné 10 sur 10. Oui, parce qu'il faut poser des questions. Et sa question est pertinente. Et donc, ici, je me suis mis à expliquer. Il lui a donné l'explication, la réponse à sa question. Et il a lu la réponse à ma question. Il a dit merci docteur pour cette énième explication. Il lui a donné 7 sur 10. Bon, là, c'est juste une appréciation. Il n'a pas lui donné 10 sur 10 pour avoir remercié. Mais je n'ai pas lui donné moins de la moyenne non plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, je retourne à Général Potier. Je retourne à ça. Vous voyez, et je vais voir par exemple dans le forum des questions. On va répondre à une question en direct. On va répondre à une question en direct. Allez, les récentes questions là. Il y a quelqu'un qui a parlé de difficulté d'accès. Voilà. Il dit lorsqu'on clique sur ce lien, voilà ce qui apparaît dans le HTTP. Bon, il faut que je comprenne sa phrase d'abord. Lorsqu'on clique sur ce lien, voilà ce qui apparaît dans le. Deux points. Dans le lien, et on nous dit que le coût est pas disponible pour les études. Veuillez donc corriger en remplaçant le 7 par 8. Je comprends. Mais il a mal estimé. Je ne sais pas où on clique dans le lien. Il n'a pas dit. Effectivement, comme c'est un ancien cours, donc le 7 apparaît, je crois, dans le feedback quelque part. Mais voilà, donc je pense que où j'ai donné la clé, c'est plutôt 12.08. Donc c'est 12.08 qui, puisqu'il m'a suggéré une erreur, il faut corriger. Je vais lui donner 9 sur 10 parce qu'il m'interpelle là. Et ça me permet de corriger pour les prochaines promotions. Voilà. Parce que chaque fois, le coup change de lien, il faut que je change. Pour la remarque, je lui réponds. Hein. Toutefois, veuillez bien préciser le lieu, car je comprends mal à la lecture. Je ne comprends pas. Pourquoi sort tout le temps dans la salle? Votre. Parce que pourquoi tu fais sortir de la salle tout le temps? À lecture de vos phrases. Donc je lui dis que merci pour la. Est-ce qu'il arrive au carrefour pour cela? Il t'appelle ou bien? Mais monsieur, moi, je vous là, est-ce qu'on a besoin d'attendre votre rendez-vous? Mamadou, faut déconnecter ton micro. Alors, donc, je lui dis merci pour la remarque, mais je lui demande de préciser le lieu où il voit le 7 au lieu du 8 là, pour que je corrige plus facilement. Ça me permettra de gagner du temps au lieu d'aller fouiller. Mais ici, par exemple, je peux cocher réponse privée pour que lui seul il ait la réponse. Mais comme nous sommes en un moment de formation, donc je vais pas coucher ici pour que la réponse soit publique pour que les gens puissent en bénéficier. Donc je clique sur envoyer. Je clique sur envoyer. Et c'est envoyé. J'ai 30 minutes. Mais s'il vous plaît, suivez là. C'est moi qui parle, c'est vous qui parlez. Adou Konaté, fermez votre micro. Je désactive ton micro. Je t'appelle, tu décroches pas. Donc, vous avez 30 minutes pour modifier votre contribution. Après 30 minutes, votre contribution va atterrir dans les emails. Vous allez voir, si vous consultez vos emails, tout ce qu'on envoie ici, là, vous recevez copie dans vos emails. Et donc,
Voilà. Je pense qu'on aura répondu ici. Si je veux modifier. Oh, mais dis donc. Hein. Il y a des gens qui sont très indisciplinés. Hein. Vous cliquez sur modifier pour modifier. Si vous pensez que ce que vous avez dit n'est pas ce qu'il fallait dire, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur supprimer. Voilà. Et donc, je vous encourage. Ce n'est pas à moi seul de répondre aux questions. Vous-même, vous pouvez répondre aussi aux questions de vos conducteurs. Parce que vos questions, vos réponses aussi peuvent être notées par vos condisciples. Donc, je sors. Bien. C'est tellement important. Je sors. Bon, ça fait 1h20. Dans 10 minutes, on doit arrêter. Alors, si vous avez des questions, donc après cette section, quand vous avez fini, vous faites l'évaluation. Après ça, vous passez à la section 2 et à la section 3. Donc après ça, vous avez ici des vidéos, 3 vidéos. Ce sont des vidéos des cours du module 2. Mais comme le module 2 a été sauté cette année, j'ai mis des vidéos ici pour rafraîchir vos mémoires ou bien pour vous en servir un peu pour répondre à certaines questions. Donc les 3 vidéos sont là, vous pouvez les lire. Et même ce que j'ai dit dans les vidéos, si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions dans le forum. Des questions. Je vous accorde les 10 dernières minutes. Mais quand vous avez fini tout ça, vous allez avoir une notification au niveau de la cloche ici. Vous voyez la cloche qui est là. La cloche qui est là. La cloche qui est là. Voilà. Je suis désolé. Je vais diminuer le zoom. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Alors, au niveau de la cloche, vous avez des notifications. Allô, moi je n'entends plus rien. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez oui ou non? Vous entendez? Voilà, au niveau de la cloche ici, au niveau de la cloche ici. Moi également, je n'entends rien. Il faut réfléchir, il faut rafraîchir, il faut rafraîchir. Réfléchis, mais rafléchis, gourou là. Non mais écoutez, il n'y a pas de plaisanterie en place ici, hein, s'il vous plaît. Il faut rafraîchir. Quand je parle, c'est épuisant. Donc, voilà. Rafraîchis, on fait comment pour rafraîchir? Regardez mon écran. Ici, le cercle est là, vous cliquez dessus pour rafraîchir. Yo. Ctrl S. Ctrl X. Ctrl R. Non, je suis sur mon portable. C'est ça qui me fatigue. Une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez poser une question? Oui. Attendez, vous m'entendez? Je vais finir d'abord. Comment fait est-ce que vous m'entendez? Les captures d'écran à partir de l'ordinateur là. Il y a un raccourci là. Vous faites les captures d'écran. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est un ordinateur, c'est décrit, c'est S, C, S, C, R, quelque chose comme ça. Screen. D'accord. Merci. Il peut faire aussi majuscule Windows S. Est-ce que vous m'entendez? Majuscule Windows S.
Vous m'entendez? Vous n'entendez rien à l'écran. Vous voulez voir quoi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mes corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir. Oui, quelqu'un dit qu'il ne voit rien à l'écran. Je dis, je n'ai rien à présenter à l'écran. J'ai déjà présenté, le cours est fini. Je suis en train de répondre à vos questions. On vous entend maintenant. Je réponds à vos questions. Je disais tout à l'heure que quand le cours est fini... Allez, professeur. Non, c'était la démonstration. C'était au cours de votre démonstration là qu'on ne voyait pas. C'est là on a... La démonstration de quoi? Monsieur, j'ai une question. Allô, professeur. Oui. Bon, on vous comprend. Oui, question. Celui qui a une question, qui la pose? Quand la vidéo est trop longue là, vous ne pouvez pas regarder. Ça fait 1h30 de vidéo. Donc, posez rapidement vos questions parce qu'après, vous allez charger pour regarder. Si ça vous intéresse, bien sûr. Allô, professeur. Allô. Je vous écoute. Vous m'entendez pas? Oui. Oui, c'est une question, professeur. Professeur. Oui. J'écoute. Aujourd'hui. Ou bien c'est moi qui ne vous entends pas. Allô, professeur. J'écoute. Ok, oui, bon, professeur, ma question est concernant les chances. Ça veut dire que réellement, vous nous accordez seulement deux chances pour pouvoir résoudre un problème. J'écoute, hein. Oui. Donc, vous pouvez donner soit deux chances pour pouvoir résoudre un problème. Je sais pour... Mais quand on rentre et on ne traite pas un exercice, et quand on ressort, prochainement, quand on vient d'entrer, et puis on nous dit qu'il nous reste une chance. Une chance. Mais pourquoi vous rentrez? Donc, vraiment, je voulais mieux comprendre cette situation. Merci bien, professeur. Bon, je réponds à votre question. Pour les exercices, vous nous donnez deux chances là. Hein? Vous m'entendez? C'est un dialogue. Si vous m'entendez, répondez. Vous m'entendez plus? Vous ne m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Les corrections en ligne et du web. Vous m'entendez? Donc, quand vous avez commencé une tentative, si vous n'êtes pas sûr de vos réponses, ne rendez pas votre copie. C'est pour ça, pour rendre la copie, il y a trois étapes. On dit terminer le test, première étape. Deuxième étape, vous avez le choix entre revenir à la tentative ou tout terminer, tout envoyer et terminer. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on vous dit, est-ce que vous êtes sûr de tout terminer? Et puis, vous cliquez. Donc, si vous avez fini toutes ces trois étapes-là, ne dites pas que pourquoi il vous reste une seule tentative. Vous êtes sûr de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes d'éjection de classe. Fini l'usage compulsif et sans intérêt. Alors, question. Ça fait 1h30 qu'on pose. Hein. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre. Traiter mes devoirs en ligne. Avoir les corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir
mes corrections en ligne et du web. Question. Et du voir en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Oui, aujourd'hui, monsieur Abdoulaye Touré, ceux qui ont levé la main, n'attendez pas que je vous... Prenez la parole en même temps. Mais c'est moi qui ne vous entends pas. Bon, si vous sentez que je ne vous entends pas, écrivez, je vais voir. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne. Avoir les corrections en ligne et du web. Professeur. Oui. Mes devoirs en ligne. Je l'ai ma main plusieurs fois. Parlez, hein. parlez. Mes corrections en ligne et du web. Vas-y. Oui, professeur. Parlez. Avoir mes corrections en ligne. Parlez. Parlez, non. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini. Bon, apparemment, il y a un problème de réseau. Des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre. Traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web. Il y a un point de réseau, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Moi, je ne vous entends aucunement. Et du web, traiter mes corrections en ligne et du web. Non, pas un bon réseau. J'entends des bruits furtifs, mais je ne sais pas. Je vous entends par moment, mais. Aujourd'hui, là, on ne l'entend plus. Et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini l'usage compulsif. You are now muted. Des réseaux sociaux. You are now unmuted. Vous m'entendez ou pas? Nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, nous présente une...